Revolution. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble sur le Google Home une différence entre deux applications. Et vous allez entendre qu'avec ces applications, on a des renseignements qui sont complètement différents. Donc je voulais vous montrer un petit peu la nuance avec ces deux applications dans cette vidéo. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous plaira, que vous aurez envie de la liker, la partager et surtout de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, puisque pas mal de vidéos ont été faites déjà sur le Google Home sur ma chaîne et beaucoup de vidéos parlent aussi sur l'accessibilité, parlent aussi sur des produits high-tech en tout genre. Merci à vous donc de regarder cette vidéo. On part tout de suite donc sur la suite de ce petit tuto, les logiciels sur Google Home, ici avec la JBL Link 20. D'ailleurs, je vous ai fait aussi une vidéo à ce sujet sur cette enceinte qui possède le Google Assistant. Quelles vont être donc les deux applications qui sont très distinctes? L'une s'appelle « Parler avec mon programme TV ». On va lancer la commande. « Parler avec mon programme télé ». Mon programme télé, bonjour. Qu'y a-t-il demain soir à 20h30 sur M6? Dimanche 28 à 21h15, il y aura Zone interdite, Enfant de Gitan, Une vie de roi sur M6. Ce programme commencera à 21h. Puis-je faire autre chose pour toi? Comme vous allez vous apercevoir dans cette vidéo, il y a une grande différence avec deux applications bien distinctes et qui parlent de la même chose. Ces applications sont très intéressantes de par leur fonctionnement par rapport au programme télé. Aide. Voici les commandes que je comprends pour le moment. Lister les chaînes et qui a-t-il sur telle chaîne en ce moment? Par exemple, demande-moi qui a-t-il sur TF1 en ce moment. Une fois que je t'ai répondu, tu peux me demander de te faire le résumé de ce programme avec la commande. Fais-moi le résumé de ce programme. Puis-je faire autre chose pour toi? Qui a-t-il sur France 2 en ce moment? Actuellement, il y a Les Amours sur France 2. Ce programme a commencé à 11h20 et il reste 3 minutes de programme. Puis-je faire autre chose pour toi? Fais-moi le résumé de ce programme. Les Amours. Tex reçoit 3 couples d'amoureux de tous âges et de toutes les régions de France, qu'ils soient mariés ou non, qu'ils se connaissent depuis 6 mois ou 20 ans. Ils s'aiment et pensent tout savoir l'un de l'autre. Mais se connaissent-ils vraiment? Jusqu'à la 4e question, la question bonus, tout peut basculer. Mais à l'issue des 7 questions, seul le couple ayant fait le meilleur score pourra participer à la finale et tenter de remporter le séjour mis en jeu. 7 bonnes réponses en 45 secondes suffisent, rapidité, spontanéité, complicité et le voyage en amoureux est gagné. Ce programme dure 31 minutes, ce programme n'est pas soumis à une réglementation d'âge. Comme vous avez pu entendre, ici, avec mon programme télé, donc parler avec mon programme télé, nous donne ces renseignements. D'ailleurs, lorsque vous avez un doute sur une application que vous ouvrez sur votre Google Home, par rapport à toute application que vous ouvrez, si vous avez le moindre doute, vous pouvez lui demander de l'aide, simplement en demandant le mot « aide ». Ensuite, vous allez voir la différence entre une autre application, mais par rapport à la phrase, en changeant un seul mot, un seul, eh bien, l'application est différente et le mode de fonctionnement est complètement différent. Donc, plus simple pour certains, moins simple pour d'autres. C'est à vous de choisir l'application que vous aimez. D'ailleurs, dites-moi-le en commentaire pour savoir quelle application vous aimez dans votre Google Home. Sympathique à partager. On va tout de suite donc rentrer dans la deuxième application. Parler avec le programme TV. Bien sûr, voici le programme télé. Interrogez-moi sur le programme télé du jour. Programme télé sur France 2. Quel type d'émission? Film. À quelle heure? 21h. Sur France 2 de 21h à 23h30, divertissement, destination Eurovision. Souhaitez-vous un résumé de l'émission ou une autre information? Un résumé. Qui représentera la France lors de l'édition 2018 du concours Eurovision de la chanson? Le suspense s'est enfin levé lors de cette dernière soirée de Destination Eurovision. À quelle autre question puis-je répondre? Qui
Qui est-il sur TF1 ce soir à 21h? Sur TF1 de 21h à 23h30, divertissement, The Voice, la plus belle voix. Un résumé de l'émission ou une autre information? Et demain? On commençait juste à avoir du fun. Voilà donc, comme vous avez pu entendre, une belle différence entre les deux applications et pourtant des applications qui ont le but de nous donner le programme télé. Alors l'une est plus explicite que l'autre, à vous de choisir votre application. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours plaisir, on est plus de 4500 abonnés. Vraiment un grand merci à vous tous de me suivre, de m'encourager. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine, en espérant vous revoir. Merci à tous et à bientôt. Salut à tous. Salut.